Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vais vous prendre, je pense, sur plusieurs jours. On est lundi, c'est mon premier jour de congé aujourd'hui. Il est midi, bientôt et demi. J'ai rendez-vous à midi et demi. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vous ai vite fait pris à mon réveil et à ma première tâche de la journée. C'était d'aspirer mes draps. Mais en fait, je les aspirais pour les mettre enfin à laver. Donc je les ai aspirés, je les ai secoués, ça je vous ai pas montré. Et j'ai lancé la lessive. Ça sera prêt d'ici, je pense, du coup maintenant, 1h30. Petit programme, comme je vous ai dit, il y a ma pote qui va venir. On a rendez-vous, on va aller au restaurant. On s'était toujours dit qu'on allait faire un restaurant et on trouvait jamais le temps. Donc on s'est dit, lundi, allez hop, on y va. Je vais y aller pendant que mes draps tournent. Dès que je re-rentre, je mets mon sèche-linge. Pendant que je mets mon sèche-linge, je vais faire une autre tournée. Ou je la ferai demain. Non, je pense que je les ferai demain, mes tournées. Et demain, je pense pas que je vais vous prendre. Par contre, je vous récupère mercredi. Je vais aller à Nantes. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Parce qu'au final, le programme qui était prévu ne va pas se passer comme c'était prévu. Why not? On verra bien. Je pense que je vais aller faire un peu les magasins. Je vais aller me racheter un sérum The Ordinary à la niacinamide. Il faut que je vous parle de l'état de ma peau. Absolument. Il faudra que je fasse une aparté pour vous parler de l'état de ma peau et des nouvelles choses que j'ai intégrées ou justement que j'ai enlevées de ma routine. Donc, programme de la journée, resto comme je vous ai dit, histoire de mon linge, de mes draps, parce que du coup il faut que pour ce soir je puisse dormir dans mes draps. J'ai du montage à faire. Alors soit je commence le montage aujourd'hui, soit je me le réserve pour mercredi. Mais ça veut dire qu'il faut que je prenne mon ordi avec moi mercredi. Je ne sais pas encore si je vais le prendre, donc je sais pas. Je sais pas si j'en fais aujourd'hui ou pas. En tout cas, aujourd'hui, je filme pas d'autres vidéos. Ce week-end, j'ai pas prévu de filmer d'autres vidéos à part ce vlog. Et il faut que je me repose un petit peu parce que je vous avoue que je commence à être un petit peu fatiguée. Il faut que je fasse les courses. Ça étonne quelqu'un? Non, mais du coup, il faut que je m'organise de qu'est-ce que j'achète, quel repas je fais pour ma semaine. C'est pareil. Soit je commence mes meal prep aujourd'hui, soit demain, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vous avoue que je ne sais pas. Déjà, on va aller au restaurant. Je vois ma pote jusqu'à au moins, je pense, 16h30. Ouais, c'est pareil. On doit aller voir un ancien collègue à moi que j'ai vu hier. Mais du coup, on va peut-être aller le voir sur son lieu de travail pour aller boire un verre. Je ne sais pas encore vraiment ce qu'on va faire. De toute façon, je vous emmène un petit peu avec nous. Je vais pas vous filmer entièrement. Mais je vais vous montrer quand même le petit resto qu'on a choisi. C'est la deuxième fois que je vais y aller. Et il est sympa, si sympathique, pas trop cher parce que du coup j'attends encore le salaire. Ma collègue aussi, forcément, on travaille dans la même boîte, donc elle n'a pas encore reçu son salaire. Enfin voilà, donc je vous laisse, j'attends qu'elle arrive. Je viens de rentrer, donc au final on est aussi allé boire un verre, on a fait une petite balade, on est allé au resto, on a fait une petite balade, après on est allé boire un verre chez mon ancien collègue comme je vous avais dit, c'était super cool, franchement c'était super cool, là je viens en profiter pour aller faire de l'essence, au final je vais pas faire de course, franchement je vais aller voir un peu ce que j'ai, mais en vrai il y a moyen que je me débrouille avec des boîtes de conserve pour cette semaine, oui je sais pas, mais là j'ai trop la flemme de cuisiner et mercredi je suis pas là. Donc là, potentiellement, j'ai de quoi manger quand même, faire des tenders et... Oh putain, mon jambon, il est périmé, ça va faire bientôt un mois. Il faut que je vois, il faut que je fasse un banana bread parce que mes bananes commencent plus du tout à avoir de gueule. C'est pareil, j'ai acheté des carottes, je vous les avais montrées. Vous allez dire que je gâche de ouf, mais est-ce qu'on peut parler du rétrécissement de mes carottes? Je pense qu'il vaut mieux pas. Donc bref, là je vais aller faire la litière de Shiva parce que ça pue la pisse chez moi. Alors soit c'est la litière que j'ai laissé aérer toute la... Enfin là depuis que je suis partie. Il faut que j'aille lancer mon sèche-linge aussi. Soit il a pissé quelque part et je sais pas où, je retrouve pas où il aurait pu pisser. Il n'y a aucune tache nulle part. Donc bref, donc je vais faire un peu ça et j'ai plein de trucs à faire. Mais en soi pas grand chose non plus.
J'ai trouvé où mon chat a pissé. Donc là, c'est là où j'étends le linge. En fait, je squatte la salle de bain du bas. Parce que, en fait, quand j'envoie mon petit aspirateur robot, comme je vais le faire là dans pas longtemps, comme ça, j'ai juste à fermer la porte et il y va pas. Et j'ai trouvé, quand je suis allée chercher mon linge, que ça puait la pisse de chat. Mais regardez, je vais vous montrer. Regardez, ah bah tiens, en parlant de lui. Regardez là, là. Je sais pas si vous pouvez voir les traces. Là, là. Je vous laisse juste imaginer l'odeur. Je n'arrivais pas à trouver d'où ça venait. Franchement, je pensais que c'était à côté de sa litière. Donc j'ai fait sa litière. Elle n'était pas si dégueulasse que ça, franchement. J'ai déjà connu pire. Donc je vais nettoyer ça. Je vais mettre du sambon. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vous avoue que... Eh bien, écoutez, j'ai fait pas mal de choses. J'ai enfin mis mes draps. Donc là, j'ai décidé de me démaquiller parce que mine de rien, il est 18h30. Donc, il commence à se faire un petit peu tard. Je voulais vous faire un petit update sur ma peau parce que là, je suis maquillée. Donc, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vue naturelle. J'ai plein de soucis de peau. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que ça allait beaucoup mieux. Non, pas mon dernier vlog, celui d'avant. Au final... Ça va pas mieux du tout. Ça va pas mieux du tout. Au contraire, je trouve que ça s'empire. Je pense que ma routine, ça va pas. Je vous avais dit que j'avais commencé le double nettoyage. Un petit peu plus renseignée sur le gel moussant de CeraVe. Et j'ai vu que dans certains commentaires, il y avait des personnes qui ça leur avait redonné des boutons. Alors que c'est censé, du coup, nous aider à avoir une meilleure peau. Donc je vous avoue que... Depuis hier, j'ai pris la décision de ne plus faire de double nettoyage. Super, bonsoir. Je vais me démaquiller parce que je pense que mon baume, ce n'est pas ça qui donne mes boutons. Donc je pense que je vais continuer mon démaquillant, que je trouve vraiment bien. Et je prie pour que ce ne soit pas ça qui me donne des boutons. Je ne pense pas. Donc je vais continuer là, je vais vous montrer l'état de ma peau, mais vraiment c'est affreux. Donc là, je ne vais pas tarder à avoir mes règles. Je pense que ça joue. Mon alimentation, ça va, je trouve, mieux depuis quelques temps. J'essaye de faire vraiment plus attention. Je sais pas si vous commencez à pouvoir apercevoir. Donc là, j'ai deux boutons qui restent. Là, c'est une tache qui a depuis quelques temps. Et ce côté-là, c'est pire que tout. C'est pire que tout. J'en ai là. Lui, il commence à dégrossir. Quoique, lui, c'est vraiment un bouton. Là, c'est des taches. Que j'ai depuis. Bah ça, je vous les avais déjà montré. Elle galère un peu à partir. J'ai un bouton là. Franchement, c'est pas évident à gérer. Donc, je vais recommander un fond de teint que je sais qu'il n'est pas périmé. Parce que je ne sais toujours pas si ça vient de ça. Mais je ne peux pas sortir naturel. Je ne peux pas sortir. Je ne me sens vraiment pas à l'aise de sortir comme ça. C'est vraiment... Franchement, j'ai jamais été au stade de je ne pouvais pas sortir sans maquillage sur ma peau. Et là, j'en suis là. Donc, c'est très compliqué pour moi. Je sais pas si vous pouvez voir. Après, c'est pas désastreux non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus d'acné que ça. J'en ai largement conscience. C'est juste que pour moi, c'est. Je pense que j'ai jamais eu autant. Je pense que j'en ai jamais eu autant. A voir si c'est le gel moussant. Je vais. De toute façon, il faut que je fasse des techniques. Il faut que j'essaye de voir quel produit ne correspond pas à ma peau. Et pareil, je vais du coup, mercredi, je vais aller, je vous emmène avec moi de toute façon.
Je vais aller racheter un sérum, la niacinamide de The Ordinary. C'est décidé parce que je sais que lui ne me fait rien. Je vais le réintégrer à ma routine parce que la niacinamide est censée aider avec l'acné. Donc je vais voir si je peux pas essayer de récupérer ma peau. C'est pareil, demain je ne compte pas sortir, je ne compte pas me maquiller. Je sais pas quoi faire. En fait, je suis un peu démunie de tout ça. Vraiment, je comprends pas. Je prends plus soin de ma peau et au contraire, ça va pas mieux en fait. Ça a empiré les choses. Donc j'aimerais bien pouvoir vous orienter sur quel produit m'a apporté cette acné en fait. Parce que du coup, c'est pas que je vous parle un peu de skincare depuis... ça va bientôt faire 2 mois que je vous parle de skincare dans mes vlogs. Et là, ça va pas mieux quoi. Ça va pas mieux au contraire. Donc j'ai pas envie de vous conseiller un produit. Je vous ai parlé de certains produits et au final, je n'ai pas envie de vous en reparler si ça fait l'effet contraire à ce qu'on veut quoi. Donc bon, j'ai arrêté d'appliquer la cigalfate parce que du coup elle est comédogène, je crois que ça se dit comme ça. Donc ça peut avoir un lien avec l'acné parce que ça bouche les pores et tout. Moi franchement, je pense pas que ça soit cette crème là, mais je me suis dit arrête de l'appliquer, tes cicatrices elles vont disparaître quand elles vont disparaître en fait. Donc là ma routine skincare elle s'arrête vraiment là. Je me démaquille, je mets ma crème. Bon là j'ai mis un truc pour mes contours de yeux mais c'est un médicament. Donc je fais pas ça tous les soirs. Là je le fais parce que je sens que mes allergies reprennent le dessus. Et du baume à lèvres. Vraiment on s'arrête là. Maintenant j'ai décidé de faire vraiment que ça comme étape. Je rajouterai le sérum parce que je vais aller l'acheter. Et c'est tout. C'est tout, même si je sais que c'est pas le rétinol. Je sais que c'est pas ce sérum là qui m'a apporté de l'acné. Parce que je l'avais avant. Et je sais que c'est pas l'acide glycolique. Parce que c'est pareil, je l'avais avant. Et ça m'arrivait de l'appliquer un jour sur deux. Et j'ai jamais eu de soucis. Donc c'est forcément soit le gel moussant. Que je vous montre parce que ceux qui n'ont pas vu mes anciens vlogs, vous devez peut-être pas comprendre. Soit ça vient de ça. Et honnêtement, ça me ferait bien chier. Parce que même si j'ai pris le petit format, il reste encore plein. Soit ça vient de ça. Soit ça vient de la crème hydratante. Et honnêtement, je ne pense pas que ça soit la crème hydratante. Et je ne pense pas que ça soit le baume démaquillant. Donc voilà ma petite routine du soir. Là, je vous avoue que je devais m'occuper de mes ongles. Parce que c'est catastrophe sur catastrophe. Parce que là, il commence vraiment à être long. J'ai pas la foi. Donc soit je le fais demain, soit je le ferai beaucoup plus tard. Pareil, je devais m'épiler les sourcils. Vraiment, j'ai une flemme de fou. Je sais pas si on se retrouve demain. Parce qu'en soirée, il faudrait que je fasse mon banana cake. Donc je pense que je vais vous montrer la recette. Mais pas sûr qu'on se retrouve pour une journée très croustillante demain. Je vous reprends, on est totalement un autre jour, je vous ai abandonné. Je vous avais dit que je vous emmènerais le mercredi avec moi, au final là on est actuellement le samedi. Je pars 20 minutes travailler, c'est encore mon haut de pyjama mais je suis apprêtée, enfin j'ai juste à changer de haut. Je voulais vous faire un petit retour du coup de la suite de ma semaine et pourquoi je vous ai pas pris du tout mercredi. Au final j'ai juste profité un max de ma journée. Du coup j'étais avec une pote et je devais aller voir quelqu'un. Donc au final...
C'était un petit peu une course contre la montre, sauf que je pensais que j'allais pouvoir vous prendre dans l'après-midi et tout parce que bah j'allais faire les boutiques toute seule et tout. Au final, je n'ai absolument pas fait les boutiques toute seule et je suis allée le matin faire les magasins avec ma pote. Donc c'est vrai que au début, on n'était pas à la bourre, mais à la fin, on a dû se dépêcher, on a couru. Enfin, au final, on allait en retard. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout pris le temps de vous prendre avec moi. J'ai pas acheté grand-chose. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout simplement, déjà, je vous avais déjà parlé, donc on va commencer par la skincare et le make-up. Parce que ça, je vous en avais déjà parlé, donc. Donc, je suis allée à Nocibé, j'avais moins 25%. Donc, je me suis pris un sérum à la niacinamide, comme je vous avais dit, de chez The Ordinary. J'ai pris en plus grand format, d'habitude, je le prends en plus petit. Là, il a coûté 11 balles et quelques, je crois. Par contre, ça ne rentrait pas dans mes 25% parce que The Ordinary, la marque The Ordinary, a tout le temps des points rouges chez Nocibé. Donc ça passe pas dans les promos, mais c'est pas la marque la plus chère. Franchement, ça les vaut parce que j'ai vraiment vu une différence. Là j'attends, ça fait du coup mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça va faire 4 jours que je réutilise. Je vois un peu une amélioration, pareil j'ai racheté mon fond de teint, enfin c'est une bébé crème. Techniquement c'est une super bébé crème. C'est pas encore, enfin je sais même pas si on peut dire que c'est un fond de teint, mais c'est la meilleure des choses. Donc là, je l'ai appliqué. Vous voyez, on voit encore mes imperfections, mais parce que je ne l'ai pas mis en grosse quantité. Mais franchement, c'est parce que moi, je ne veux pas plus d'intensité que ça. C'est pour juste remettre un peu mon teint, un peu que ça soit uniforme. Franchement, je l'aime vraiment. C'est pour ça que j'avais testé, j'avais pris la première fois, j'avais commandé sur le site, je l'avais pris en petit format. Maintenant, je l'ai pris en grand parce que je sais ce que ça donne et que franchement, je l'aime d'amour. Vraiment, foncez les yeux fermés. À deux doigts d'essayer un produit de chez eux, la Skin Therapy, parce que j'en entends énormément de bien. Est-ce que je vais me laisser tenter ou pas? Je ne sais pas. C'est pareil, leur bébé crème, pas leur super bébé, parce que là, ça, du coup, c'est leur super bébé. Mais leur bébé crème me tente plutôt pas mal aussi. Donc, à voir si je me laisse tenter pour après. Donc là, je vais pas trop traîner. Je vais jeter, faut que je jette l'autre fond de teint. Mais là, je vous avoue, j'ai même pas eu le temps de faire ça. Donc, je vais faire ça et... J'ai acheté, je suis allée à Primark parce que du coup, Nantes a enfin un Primark. La dernière fois que je suis allée, c'était dans le Primark de Londres. Donc ça remonte à franchement plusieurs années. Et c'était le bordel partout, je n'avais rien trouvé. Là, je vous avoue que on avait franchement même pas 10 minutes. Donc ma pote a une addiction aux chaussettes, donc on allait dans le rayon chaussettes. Je vais vous montrer, je me suis acheté des chaussettes, rien de plus simple. Donc je suis allée les chercher, c'est des chaussettes comme ça. Ça coûtait 4,50 et j'ai 5 paires. Normalement, elles sont elles sont un peu plus serrées là. À voir, j'ai jamais testé des chaussettes comme ça. Des sockets quoi, enfin rien de très intéressant. Et donc je vais les laver, c'est pour ça qu'ils sont encore dans le carton. Donc voilà ce que j'ai acheté, rien de foufou. J'ai passé commande hier pour avoir des nouveaux sous-vêtements. Je vous les montrerai dans un prochain vlog, j'attends juste ma commande, je vais les unboxer avec vous. Et du coup là je pense que je vais clôturer ce vlog parce que du coup j'ai fait pas mal de montage. Je pensais vous reprendre aujourd'hui vu que je commence assez tard aujourd'hui, je commence à 18h. Là il doit être 17h30 passé, faut pas que je traîne trop. Mais honnêtement j'ai pas fait grand chose, j'ai refait un gâteau, j'ai refait un banana bread parce que ma soeur c'est son anniversaire demain et qu'il me restait 3 bananes à utiliser. Donc vraiment j'allais pas vous remontrer la même recette. J'ai détendu mon linge, rien d'exceptionnel aujourd'hui. Donc je pense que honnêtement le vlog va s'arrêter là, je venais juste pour vous faire le haul et la conclusion. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous.